Chers amis, bonjour. Vous voyez là dans l'écran des bouteilles d'eau en plastique. On va en parler un peu d'eau. Depuis longtemps, je voulais vous faire cette vidéo car je vois dans le métro, dans le transport, des gens avec leurs petites bouteilles. Hein. Vous savez, chers amis, allez au-delà de cela. C'est le biberon. Les gens sont stressés, angoissés. Alors, une gorgée. Je vais vous expliquer le danger de tout cela. Je disais donc, ils sont là, affairés, et on dirait qu'ils se calment, il leur manque quelque chose. Ah, il est où ma bouteille d'eau? Ah, je vais sortir, je dois m'acheter une bouteille d'eau. Tout ça, ça fait partie de ce grand tableau de l'inconfort et de manque de sérénité de l'être humain actuel. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'eau? Combien il faut boire? Chers amis, je vous avais toujours dit que notre corps, c'est une merveille, d'accord? Il s'autorégule, il a des mécanismes de feedback. Par exemple, si le sucre manque, eh bien, il y a la sensation de faim qui se déclenche. Donc, vous êtes amené à manger. Nous avons des autocontrôles, c'est pas la peine de se prendre la tête. Je ne veux pas me lancer dans des explications, vous savez très bien, pour tout, l'organisme se régule pour garder une homéostasie, d'accord, et les constantes dans le sang soient stables pour que le rayonnement magnétique soit également stable pour que le corps astral reste intégré dans le corps physique. J'ai souvent parlé de ça. Maintenant, pour l'eau est essentielle. Il a des capacités extraordinaires, de nos jours même insoupçonnées. On n'a pas encore découvert tout sur l'eau. Alors, physiologiquement, nous avons besoin à peu près de 2 litres d'eau par jour. Mais tout inclus dans l'alimentation, dans ce que nous mangeons, les petites boissons qu'on prend, d'accord, au global, 2 litres. Et n'oublions pas que notre corps fabrique aussi de l'eau. Alors, j'ai pris quelques chiffres. Sur le 2 litres d'eau, on en a environ à peu près 800 ml dans l'alimentation, d'accord? On a autant dans les boissons qu'on prend en mangeant, d'accord? Ou qu'on prend entre les repas, quand on a soif. Donc ça fait à peu près 1600 ml. Et le reste, c'est le corps qui le produit. Et comment le corps produit de l'eau, chers amis, à votre avis? Et l'eau, c'est quoi? C'est H2O. Vous connaissez la formule de l'eau? Hydrogène plus oxygène. Donc notre organisme aussi le fabrique. Alors maintenant, faut-il boire comme ça, à tort et à travers, et surtout, mettre des sirops, des choses sucrées dans la bouteille d'eau et on la trimballe. Ça, de l'eau avec des sirops de grenadine ou quoi, toutes ces choses-là, c'est des bouillons de culture. Et puis quand vous buvez comme ça, donc il y a une partie de l'eau qui regurgite, enfin qui retombe dans la bouteille, et les microbes, la flore microbienne qui est dans la bouche, eh ben, elle redescend dans la bouteille et ça se multiplie. Ok? Rien ne vaut l'eau à la source. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut boire de l'eau? Écoutez, moi je l'ai conclu personnellement en regardant la nature et les animaux de la ferme. J'avais à un moment donné un petit hamster dans la maison. J'ai remarqué que ce qu'il fait, l'hamster, la première chose qu'il fait quand il se réveille le matin, hop, il va boire. Et l'être humain a un corps animal. Donc moi, ce que je conseille, et d'après beaucoup d'études scientifiques aussi, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, vous buvez ce que vous pouvez, soit un grand verre d'eau ou même 2 verres. Essayez, c'est fini pour la journée, parce que c'est ce que vous avez besoin, parce que l'eau, l'organisme produit de l'eau, notre alimentation il y a de l'eau, d'accord? Où est le problème? C'est pas la peine de se trimballer avec de bouteilles d'eau. Ok? Il faut aussi boire, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, ce que, bon, après un massage ou avant de prendre une douche, parce qu'on se déshydrate avec la chaleur, avant l'acte sexuel, n'est-ce pas, pour pouvoir pisser après, pour ne pas infecter les voies urinaires, d'accord? Alors maintenant, cette histoire de boire 1,5 litre, se trimballer l'eau, chers amis, c'est de la propagande des industriels des bouteilles d'eau. Ils gagnent des milliards. J'ai vu des documentaires là-dessus. C'est de la publicité et des études payées par les industriels. On n'a pas besoin de boire 1,5 litre comme ça, à tort et à travers dans la journée. Car le cerveau sera molli,
Vous perdez, quand vous buvez beaucoup, vous pissez beaucoup, vous perdez le sodium, le potassium, le calcium, et surtout, le cerveau se ramollit. Il y a des études qui ont montré que si on boit trop d'eau, il y a une diminution des capacités intellectuelles et cognitives. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, personnellement, écoutez, quand je me lève le matin, tout de suite, je nettoie, je fais la toilette de mon organisme intérieur, et après, tu prends une douche pour l'organisme extérieur. Okay. Et ça combat aussi la constipation, le fait de boire un grand verre d'eau le matin. Sans citron, c'est rien, naturel, de l'eau claire naturelle. Bon, j'espère que je vous ai dit vraiment l'essentiel, d'accord? Vous l'avez bien capté, ok? Alors maintenant, une fois que vous avez bu, pour ne pas encombrer vos poubelles, vous savez comment vous faites pour se débarrasser des bouteilles? Voilà, on chasse l'air, on chasse l'air, on chasse, on le plie, on le plie, on le plie. Et une fois que l'air est chassé, vous le fermez pour que l'air ne rentre pas. Et puis voilà, vous voyez, vous le jetez à la poubelle. Ça vous prend nettement moins de place et c'est plus pratique. Ok? N'oubliez pas un grand verre d'eau le matin au réveil, ok? Avant la douche. Et surtout, bien sûr, il y a des circonstances, quand vous faites des sports, vous transpirez, bien vous buvez. C'est tout. C'est tout. Adaptez-vous. C'est sûr qu'avec l'âge, la sensation de soif diminue un peu, mais avec l'âge aussi, il faut savoir avoir l'art de vivre. Tu mets un peu de piment, un peu d'épices dans l'alimentation, ça va stimuler un peu la soif. Mais faites confiance à votre organisme, il sait gérer, il sait vraiment se gérer lui-même. Notre organisme, c'est pas seulement une merveille, c'est pas une usine, c'est pas un laboratoire, mais c'est le microcosme. C'est le résultat de 15 milliards d'années d'évolution. Faites-lui confiance. D'accord? Respectez le juste milieu. Allez, au courage. Ah, j'ai oublié, il y en a qui vont me poser des questions, mais docteur, oui, on boit de l'eau minérale en bouteille qu'on achète à côté, ou on boit de l'eau de robinet. Vous voulez vraiment la vérité, chers amis? Moi, je bois un peu les deux. D'accord? L'eau de robinet aussi, il est bien contrôlé sur le plan bactériologique. D'accord? Seulement, il faut pas le boire directement de robinet. Parce qu'il passe dans des tuyaux métalliques. Moi, ce que je fais, je prends une bouteille en verre. Je remplis de l'eau de robinet. Et je le mets un peu sur ma paillasse de cuisine. Il reçoit un peu de rayons de soleil, n'est-ce pas? Et il reçoit votre propre vibration de votre propre maison. Vous le laissez un peu. Bon. Quelques heures, une journée, vous remplissez deux ou trois bouteilles, j'en mets une au frigidaire, l'autre sur la paillasse de la cuisine, l'autre sur la table et une autre sur mon bureau. Et puis je laisse décanter, je regarde l'eau et quand, avant de boire, eh bien, vous prenez le verre entre les deux mains. Vous voyez, vous savez que nos mains, ils ont un champ magnétique. Quand vous faites ça, il y a un champ magnétique. D'accord? On remplit son verre donc d'eau et on le prend entre les deux mains comme ça, un tout petit peu. Et puis on le prend, voyez, et vos mains envoient un champ magnétique. Vous le buvez avec plaisir, avec des bonnes pensées. Vous faites rentrer le bien dans votre corps avec cette notion de purification. Le fait de laisser l'eau un peu, le chlore va s'évaporer. D'accord? J'attends vos commentaires et vos questions. Allez, chers amis, je résume encore la situation. Donc, je résume. En général, notre corps a besoin à environ, selon les saisons, plus ou moins, de 2 litres d'eau par jour. D'accord? Ce qui est l'équivalent de environ 11-12 verres d'eau, de mug. Donc, notre alimentation et les boissons qui vont avec, ça fait environ, comme je le dis, 8 verres. OK? Le corps, lui, par la combinaison métabolique de l'hydrogène et l'oxygène crée et génère aussi de l'eau, ok? Ce qui fait donc deux verres. Donc physiologiquement, ce qu'il vous reste à boire, c'est environ 2 à 3 verres. Et vous modulez. Bah, si vous le buvez le matin, vous n'aurez pas de problème de santé ni de calculs rénaux. Les calculs rénaux, c'est du champagne, hein, le blanc, le vin blanc. J'en avais plein dans mon cabinet. Faut pas exagérer. On remplace pas l'eau claire, l'eau pour notre organisme, par de la bière. Alors là, bien sûr, on perturbe.
Ok. Je peux vous en parler encore pendant des heures, vous donner des analogies. Mais allez, aux prochaines fois. Mettez en pratique. Chers amis, bonjour.